est mardi, enfin on est lundi, pour vous on est mardi. Alors, comme j'ai eu pas mal de commentaires et de messages qui me demandaient pourquoi j'étais pas là vendredi et samedi dans les vlogmas, je vais tout vous expliquer. C'est vrai que pour tous ceux qui me suivent sur Instagram, vous étiez au courant, mais pour tous ceux qui me suivent sur YouTube et qui me suivent pas sur Instagram, vous saviez pas trop. Je vous ai sorti une wishlist, mais c'était pas du tout un vlogmas. En fait, dans une de mes dernières vidéos, la semaine dernière, je vous ai expliqué que j'étais malade, donc j'avais probablement un début d'ulcère, et du coup, il m'arrive de faire des crises de douleur, et ça dure longtemps, et c'est vraiment très très douloureux, et ça me fatigue énormément. J'en ai refait une jeudi soir, donc j'avais vlogué toute la journée de jeudi, sauf que le problème c'est que le soir, bah ça allait pas du tout, sauf que, enfin j'ai refait une crise, je suis allée à l'hôpital, etc. Sauf que le problème c'est que, en fait, quand je filme le jeudi par exemple, je monte le jeudi soir et le vendredi matin, sauf que là, bah c'était pas possible du tout, ni le jeudi soir, ni le vendredi matin, j'étais trop morte. Vendredi, et bah en fait j'ai pas vlogué parce que j'étais trop fatiguée. Du coup je me suis dit bon bah je prends vendredi comme jour de repos, parce que vous savez que le samedi et le dimanche après je travaille aussi. Samedi je suis retournée travailler et j'ai fait une crise au travail, donc catastrophe. Donc c'était vraiment pas cool, j'ai dû rentrer chez moi et j'ai pris du coup mon dimanche. Enfin j'ai pris mon dimanche, je ne suis pas allée travailler dimanche, donc c'était la cata. Je me suis reposée du coup hier, mais voilà, je suis quand même un peu KO. Et en fait je suis un peu partagée parce que déjà je reçois vos messages, tout le monde me dit mais on dit arrête de faire des vlogmas, c'est pas grave. Mais vous savez déjà c'est ce qui fait mes semaines YouTube, et en plus bah enfin j'aime bien, enfin je fais pas ça, je me force pas du tout, je suis trop contente de vous en faire. Après c'est beaucoup de travail et un petit peu de stress, honnêtement je suis quand même un peu moins stressée avec les vlogmas par rapport à avant quand je faisais 2 vidéos par semaine, ce qui est d'ailleurs bizarre mais je sais pas, c'est comme ça. Du coup moi je voulais vraiment continuer, donc ce que je vais faire, je vous l'annonce, c'est que je vais vraiment essayer de continuer jusqu'au 25. Voilà, je vais pas continuer jusqu'au 31 à moins que je fasse quelque chose de spécial pour le nouvel an. Si je pars ou quoi que ce soit, je vous ferai un vlog spécial nouvel an, mais sinon je pense que je vais faire jusqu'au 25. Et au final le 25 c'est la semaine prochaine, donc je vais essayer vraiment de tenir cette semaine et la semaine prochaine pour faire des bons petits vlogs. Surtout que là c'est le meilleur moment, je vais aller acheter des cadeaux, je vais aller les emballer, je vais aller voir tout le monde, enfin je suis trop contente. Donc j'aimerais bien faire des vidéos à ce moment là en revanche du coup il faut quand même que je me préserve un petit peu, donc peut-être que je ferai des vlogs un petit peu moins longs, je sais pas, pour que le montage soit un petit peu plus facile. Honnêtement je sais pas du tout. Par exemple aujourd'hui j'ai rien prévu dans ma journée de spécial, hein. Je vais pas quelque part que ce soit, évidemment j'aurai des choses à vous filmer parce que dans tous les cas je fais quelque chose de mes journées, vous le savez, je ne fais jamais rien, c'est dur pour moi. Là c'est ce qui est prévu. J'ai d'autres petits trucs, d'ailleurs je vous ai pas, je continue avec cette histoire d'ulcère, mais demain j'ai un rendez-vous très important demain matin avec un gastro-entérologue pour qu'il me dise un petit peu comment ça va se passer. Mais voilà, donc demain si vous voulez je peux vous expliquer un peu ce qui est prévu dans la semaine. Mais donc demain mardi j'ai mon rendez-vous le matin, d'ailleurs il faut que je monte le rendez-vous, il est à 10h30 et il est pas du tout ici, donc il va falloir que je monte la vidéo, toute ma vidéo ce soir. Demain on va acheter tous les cadeaux avec Jérémy, donc tous les cadeaux pour nos parents, etc. Mercredi je ne sais pas encore, jeudi j'ai un beauty studio, vendredi je ne sais pas. Vendredi je pense que je vais m'occuper d'emballer tous les cadeaux, etc. Ça peut être plutôt cool. J'ai trop envie de vous parler des cadeaux pour Jérémy, mais pas tout de suite parce que pour l'instant il regarde les vlogs et je veux prévoir un jour où je vous en parle et que je lui dirai de ne pas regarder le vlog, et j'ai envie de vous montrer ce que je veux acheter, ce que tout, quand je vais les emballer, etc. Donc voilà, écoutez, c'est le petit programme. Du coup j'ai sorti ma wishlist hier et en fait, enfin avant-hier pour vous, et en fait dans ma wishlist j'explique que je veux des cuissardes, et Zara avait sorti des cuissardes, mais elles sont des cuissardes plates, donc sans talons, et donc du coup je les ai commandées et là je les ai reçues, donc je vais les chercher parce que c'est un point relais, comme ça je vais les essayer avec vous, vous allez me dire si vous aimez ou pas. Mais en fait je suis dégoûtée parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit que les Stradivarius c'était trop bien, et en fait je crois que je les préfère. Donc là je les ai déjà reçus, donc au pire j'irai les rendre. Mais en fait c'est des cuissardes plates, mais la semelle est vraiment plate, c'est pas une semelle épaisse, alors que les Stradivarius elles sont épaisses, donc je vais voir. Donc là je pense que je vais déjeuner vite fait et ensuite on va aller chercher le colis. J'ai hâte. J'ai fait des pâtes au beurre. Je viens de me prendre la pluie, j'ai mon colis. Ouvrons, ouvrons. Aujourd'hui il fait trop gris, vous vous rendez compte, il doit être 15h, genre il n'y a pas de lumière. Alors hein, ça va. Putain c'est tellement énorme, j'ai des super grands pieds mais je jugeais pas. Ah en fait je pensais que ça allait être plus fin, plus plat, donc ça va. Je fais du 41 les gars, j'en essaye une, mais je fais du 40 et demi. J'ai pris du 41, je sais pas pourquoi.
pourquoi. Mais l'autre jour j'ai essayé des chaussures chez Zara et le 40 il est trop petit. En tout cas c'est pas ma taille, c'est la merde. Parce que en gros je les ai repérées quand il y avait le Black Friday. D'ailleurs mais depuis quand je mets des cuissards avec un jean? Ok bon j'ai mis une jupe. Là il y a rien qui va avec mon pyjama. Mais bon me jugez pas, je suis fatiguée d'accord. Je disais du coup je les ai repérées pendant Black Friday. Et en gros elles étaient complètement sold out. Elles étaient à 30€ au lieu de 50. Du coup je les ai pas eues, mais je les ai eues en fait j'avais mis une alerte pour que dès qu'il y a du restock. Et j'avais mis pour 40 et 41 et ils ont restock que le 41. Donc j'ai commandé direct, mais je les ai eues à 50€ du coup. Ouh les grands pieds, elles sont un peu grandes. Est-ce que ça me fait 10 gigas grands pieds, il faut que je monte pour voir. En tout cas c'est un peu grand, mais genre en fait je suis embêtée parce que c'est un peu grand. Mais genre 40 ça serait trop petit. Mais je pense. Mais en même temps à choisir, si par exemple quand j'hésite entre les deux tailles, souvent je prends le plus petit. Parce que genre comme ça me fait les moins grands pieds. Ah oh, j'ai toujours pas enlevé les trucs, je suis bête. Ok on va monter. Ah ouais putain c'est trop grand le seum. Oh le seum, c'est trop grand, je les perds un peu. Du coup je vais marcher bizarrement, je me connais. Moi quand il y a des chaussures qui sont pas ma taille, laisse tomber. Déjà que je marche bizarrement. Alors là, voilà ce que ça donne. En vrai, bon ça me fait des grands pieds, pour vous ça doit être énorme, mais pour moi j'ai connu pire. Donc ça, ça va. Je les perds, donc chiant. Je sais pas, vous avez des techniques pour les cuissardes qui se perdent? Je les perds pas de ouf, mais un peu quand même, hein. Un peu quand même. Et enfin en haut je parle, mais en bas ouais je les perds. Genre mon pied là, il se barre. Le seum, parce qu'il n'y a pas en 40. Je suis dégoûtée. Oh, ça me saoule. Sinon j'aime bien le style quoi. Oh, je vais essayer avec ma robe... d'anniversaire. Bon du coup entre temps j'ai essayé avec ma robe, mais en fait entre temps je l'ai commandé en 40 parce qu'ils l'ont restock. Donc je vais rendre celle-ci et puis les autres je les reçois jeudi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien ou si pas du tout. Jérémy il me dit qu'il aime pas en photo même. C'est pas grave hein. Moi je les aime bien donc je vais les garder je pense. S'ils me vont le 40, sinon j'irai voir à Stradivarius. J'ai encore mon masque. Bon, je viens juste de rentrer. Je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On a acheté quelques petites bêtises à manger. Je vais aller chez Jérémy. Là, je prends juste mon Mac et je vais faire mon montage chez lui de cette vidéo pour demain. Et ensuite, on va manger. Et puis voilà, rien de spécial. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, surtout. Le lien est en barre d'infos comme toujours. On se retrouve demain pour acheter les cadeaux et mon rendez-vous chez le médecin, trop important. N'oublions pas le principal. Donc voilà, je vous dis à demain. Mouah.